Ladies and gentlemen, nous allons découvrir le pass de combat de la saison 4 ensemble sur Warzone 2. C'est parti, let's go. Alors ça c'est marrant parce qu'ils me laissent carrément une dernière chance pour passer, pour améliorer mon pass de combat de la saison 3. Donc ils veulent que j'achète, je sais pas moi, Black Cell ou je ne sais pas quoi. Mais ça ne m'intéresse pas. Alors pass de combat de la saison 4, let's go. Black Cell, ben oui, hein, il y a toujours le Black Cell. Alors au début j'avais dit que c'était de l'arnaque. C'est pas que j'avais dit que c'était de l'arnaque, j'avais dit que j'aimais pas trop ce délire. Mais en vrai, je veux pas faire de la pub pour Call of, hein. Je vous incite pas à l'acheter, mais j'ai un argument, si jamais vous hésitez. Ben, faut savoir que le Black Cell, il coûte 1400 code points ou 2400, je ne sais plus. Ouais, ok, le Black Cell, en fait, il coûte 30 euros. Et on reçoit 1100 points code points, donc c'est plutôt pas mal. Mais ce qui est important, c'est qu'on a beaucoup plus de skins. Donc en fait, si vous comparez à la boutique actuelle sur Call of Duty, vous allez acheter un pack à 20 balles et vous aurez un skin d'armes ou un skin. Voilà, c'est tout. Et là, ben, pour 30 balles, vous avez plusieurs skins, plusieurs skins. Enfin, vous avez plusieurs récompenses. Donc c'est vrai que quand vous comparez un peu les deux, c'est vrai que ça vaut peut-être le coup de l'acheter. Mais en vrai, moi je vous conseille pas de l'acheter. Gardez votre argent. Il y a d'autres choses à faire avec votre argent. Investissez ou je ne sais pas. Profitez de la life. Mais bon, bref. Donc moi je vais juste acheter le pass de combat à 1100 points code. Parce que bah, j'ai des points code tout simplement parce que j'ai acheté le jeu. Donc j'en ai eu en cadeau. Et je vais utiliser mes 1100 points code comme je fais d'habitude. Donc oui, confirmer l'achat, Battle Pass, c'est bon, saison 4. J'ai réussi à finir le pass de combat de la saison 3 en utilisant une technique qui m'a permis de gagner des jetons de pass de combat en sautant tout le temps à la fin du bus, enfin en AFK quoi. Si vous voulez l'astuce, je la mettrai en description, en commentaire épinglé. Ici, choisissez une option pour continuer, on va mettre 100 parce que j'aime bien moi-même choisir... les paliers que je veux débloquer, etc. Si vous mettez avec, ça va débloquer automatiquement les récompenses. Donc récompense 1, 2, 3, 4, 5 dans l'ordre. Moi, ça m'intéresse pas, je préfère le faire un peu dans le désordre. Alors, nous allons directement visiter la carte en appuyant sur triangle. Et là, nous voyons une magnifique carte. Je vais quand même regarder c'est quoi qu'ils offrent dans le Black Cell. Comment je peux accéder au Black Cell? Je ne sais pas. On verra plus tard hein, si j'y arrive à y accéder. Donc ça, c'est ce que j'ai eu. Directement, instantanément, quand j'ai acheté le pass, qu'est-ce qu'on a eu? Vous savez quoi? On va pas regarder via la carte. On regardera via la carte plus tard, parce que ça me semble plus complexe à présenter. Donc là, on a eu un boost de 10%, d'accord. C'est quoi ça? Un écran d'armes? Quoi? Un écran d'armes? Ok, ouais, c'est pour un accessoire d'armes. Une mitraillette, donc un plan d'armes. Nous avons un plan d'armes fusil d'assaut M16 en vert. Plutôt classe, hein. Moi j'aime bien le vert. De toute façon, mon logo, il parle. Parle de lui-même, hein, il est vert blanc, vert gris. Ici, une apparence. Ok, donc ici, il y a l'apparence Black Cell, qui est beaucoup plus stylée que l'apparence normale, bien entendu. Et nous avons l'apparence normale, qui est assez simple, hein, simpliste, mais je sais pas, j'aime bien. Il passe bien, je trouve. Alors, nous avons une carte de visite, on s'en fout. Une heure de double XP, on s'en fout. Carte de emblème, on s'en fout. Porte-bonheur, on dirait le Pentagone, enfin, pas vraiment, mais bon. Ça m'intéresse pas, il est pas beau. Alors là, elle est moche. En Black Cell, elle cartonne, normal. Ok, ouais, c'est pas ouf. XP, plan d'armes, pas ouf. Voiture, trop moche. C'est quoi ça? Ok, un skin. Un skin qui est pas en Black Cell. Donc celui-là, il est pas mal. Hein. Si vous voulez camper dans les buissons et tout, franchement, ce skin-là, il sera parfait pour vous. Vous serez le buff, le bush plutôt parfait. Vous serez le bush parfait. Voilà, personne ne vous repérera. Ouais, bon, comme je vous ai dit, j'aime bien le vert, donc ça va, il est classe. Emblème, ok, c'est cool. C'est plutôt pas mal. 100 points code, ok, merci. Ah, une piste audio. Une piste audio, je pourrais pas vous la faire écouter, mais d'accord. Ouf. Oh non, c'est du Black Cell, dommage, dommage. J'aime bien. Franchement, j'aimais bien. J'aimais bien, et ici, ben, ouais, à la limite, ça va, tu vois. Moi, de base, j'ai un camouflage tout noir. À la limite, celui-là, il est un peu doré et tout, ça va. Mais le Black Cell, franchement, le camo qui bouge et tout, ah, c'est beau, c'est classe. Ils ont de la chance, hein, les petits riches, là. 100 points code. XP, on s'en fout. Ah, ça, c'est plutôt pas mal. Un petit porte-bonheur. Je pense que c'est une épée, une hachette, je sais pas, c'est stylé. Alors, c'était quoi ça? Ah, ouais, un décalcomanie, ce que j'utilise jamais. Je sais pas s'il y a des gens qui les utilisent. Ok. Ah, c'est une nouvelle arme, ça. Une nouvelle arme. L'ISO 45, c'est une nouvelle arme, ça, ah bon?
C'est sûr de ça? Nouveauté de saison 1, bah oui, nouveauté de saison, ouais. Nouvelle arme. L'ISO 35, 45, 45. C'est une mitraillette. Ok, je crois qu'il y en avait déjà une d'ISO, à mon avis ça doit être ISO 54, je sais pas. Ok, alors décalcomanie, pas ouf. XP, ouais. Ouais, le camouflage, pas ouf non plus. Après, les classes quand même, un peu de blanc, le rouge, orange, là, c'est pas mal, j'avoue. Revêtement. Ah, ça va, stylé, en vert. Ouais, ils sont le thème vert cette saison, j'ai l'impression. Pourtant, il a marqué hein, saison en haut à gauche, c'est mauve, donc ça devrait être plutôt thème mauve, quoi. Ok, donc ici, nous avons un autre apparence de sniper qui va pouvoir se cacher, non pas dans un bush, mais dans l'herbe directement. Stylé. Ouais, ça peut être cool. J'aime plutôt bien. Ça, c'est quoi ça? Un autocollant. Ouais, ça me s'en fout. XP, code point. Un décalcomanie, ça va, il est stylé, mais je m'en fous. Oh! Ah, mais ouais, c'est Black Cell. À chaque fois que je fais oh, mais à chaque fois, c'est Black Cell. Donc, ça, c'est la normale. En vrai, ça va. Elle est plutôt pas mal. Bleu-vert comme ça. Bleu turquoise. Ça va, c'est plutôt cool. Le Black Cell, bien entendu, incroyable. Incroyable. Du camouflage d'or qui est animé, c'est juste incroyable. Parfait. Regardez-moi ça, tout en or et puis boum, petite animation, camouflage, tout stylé. Voilà quoi. 15 000 double XP, camouflage, ouais, c'est un peu comme l'autre arme, sauf que bah, c'est sur une autre, bah, c'est sur une autre arme tout simplement. Mais ouais, ça va. Carte de visite, on s'en fout, elle est pas belle. Un nouveau camouflage, une nouvelle apparence. Pour le personnage qui je trouve très stylé, franchement ça va. Ils sont basiques, hein, ils sont très basiques, mais ils sont classe quoi. Ça passe partout en fait, ils ont pas pris de risque quoi. Ils ont pas pris de risque. Hein. Ok, plutôt pas mal le plan d'arme. Ah c'est spécial comme je peux tourner, voir du haut comme ça, c'est spécial. C'est le plan de vue est spécial. Mais ouais, elle est plutôt pas mal. Alors, double XP, double XP, double XP, code point. Porte-bonheur. Une tête, j'espère que les yeux s'illuminent vraiment comme sur l'affiche qu'on le voit. Un petit charme, ça peut être stylé. XP, autocollant, ok. Autocollant encore, ouais. Alors, ah, un nouveau flingue. Donc, de toute façon, il y a toujours deux nouveaux flingues dans chaque saison. Donc, voici les deux nouveaux flingues. Hein. Vous avez vu l'ISO 45. Et ici, nous avons un fusil d'assaut Tempus Razorback qui me fait penser à. Je sais plus comment elle s'appelle, mais elle me fait penser à une autre arme. Ouais, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Ok. Après, c'est possible qu'il y ait trois armes, je ne sais pas. On va voir ça. Carte de visite, d'accord. Moche. Logo moche. Alors, camouflage. Ouais, vite fait, vite fait. Hein. Il est pas mal, il est pas mal. Il est coloré, il y a des écritures, c'est stylé, mais pas trop mon kiff. Double XP. Alors, apparence. Ils sont forts dans les camouflages, hein. Mais il est stylé, hein, en vrai. Je peux pas dire le contraire, j'aime bien, en vrai. En vrai, là, ce qui est simple, parfois, ça passe crème, quoi. Ouais, c'est pas ouf, mais ça passe crème. Mais alors là, celui-là, il est dingue. Il est dingue. C'est tellement dommage qu'on peut pas l'avoir en passe de combat normal, quoi. Ah là 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 là. C'est chacal, quoi. Il pourrait nous mettre au moins un skin tout stylé. J'espère qu'à la fin, il sera stylé, quoi. On est au palier combien, là? Il est pas noté? Ah, ok, on est au D11. Ok. Autocollant. Ok. Attends, mais il y a 11. On dirait le truc de mon pays, en Belgique, ça. Le lion de mon pays, de la Wallonie. Ok. Un porte-bonheur en forme de bateau. D'accord, pas ouf. Une arbalète avec un beau petit camouflage, j'avoue, ça va, c'est stylé. Ouf. Alors ça, je valide. Après, c'est que pour les gros hélicoptères lourds. Donc ça ne sert pas à grand-chose, comme j'utilise jamais d'hélicoptères lourds. Mais bon, j'avoue qu'il est stylé. Dommage qu'ils ne l'ont pas mis sur l'hélico normal. 100 points de code. Opérateur plomberie. Ouais, bon, là, lui. Ah non, c'est une exécution. Je me dis, mais attends, il a pas. C'est le skin de base, quoi. Il n'y a rien qui a changé. Mais en fait, non, c'est une exécution, d'accord, ok. Exécution dans le dos. Ok. Ah, ça va. Je le préférais, le camouflage sur l'avion. Mais ça va, elle passe quand même. Elle passe quand même sur le véhicule. Le canon blindé. Ça va. C'est un truc de police, on dirait, hein. Special Force. Ouais, c'est ça. Stylé, stylé. Ouh, j'aime bien, j'aime bien. Plan d'armes, très très beau, très stylé. Vert, noir. Ça va bien ensemble. Code point. Alors, ça, c'est quoi? C'est une apparence. Alors, pourquoi elle est assise dans son fauteuil? Ouh, les petits dreads et tout, les dreadlocks, le petit foulard. Ouais, ça passe, hein. Ça passe, ça passe. Attention, attention, le Black Cell.
Dinguerie ou pas? Ouais, si, non, mais dinguerie de toute façon. Après, c'est toujours à peu près le même concept, hein. C'est toujours noir, doré. Je pense que le Black Cell de la saison passée, c'était pareil en fait. Ils sont vraiment pas fait chier, quoi. Ils nous ont mis les mêmes Black Cell que, avec d'autres personnages un peu modifiés, mais les mêmes couleurs, le même délire. Ah là 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 là. Call of Duty, ils sont trop forts pour remâcher leur chewing-gum pendant 25 000 ans. 25 000 millénaires. Ok, c'est quoi? Écran de chargement, ça va. Animé, on dirait, c'est pas mal. Autocollant, on s'en fout. Double XP. Camouflage pour un char, c'est stylé, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Un peu moins la porte derrière, mais j'aime vraiment bien sinon. Ici, un plan d'armes. Ça va, il est bien. Franchement, il est bien. Il est vraiment bien. Le seul plan d'armes qu'on a en or depuis le début et qui est dans le pass de combat, quoi. Et c'est pas du Black Cell. Donc, ça, c'est bien. C'est gentil, merci. Et ça, c'est sur quoi? C'est sur le Tempus Razorback. Et ça, c'est le camouflage. Bon, en fait, c'est le même, en vrai. C'est le même. Ah non, c'est pas exactement le même. Mais ouais, ça y ressemble. Sauf que celui-là, il est animé et un peu plus stylé. Ok. Alors, ici, écran de chargement. Écran de chargement. Attends, c'est un... Ah non, c'est une carte de visite, excusez-moi. Écran de chargement. Code point. Une piste audio. Ok, je ne saurais pas vous faire écouter. Un apparence de véhicule qui est assez sympa. Ça fait un peu manga comme ça. Dessin animé manga. J'aime plutôt bien. Ah, c'est une pieuvre qu'il y a derrière. J'aurais dit un dragon, mais en fait non, c'est une pieuvre. Non, ça va, il est bien. Il est bien. Et en Black Cell, bah oui, c'est le même camouflage que le véhicule qu'on avait vu, la voiture. Mais sauf que là, ici, c'est sur le Hummer, quoi. Ok. Ok, je valide. Sans beaucoup de points. Ouais. Moi j'aime pas trop hein, ça, trop coloré, hein. Le mauve et tout, enfin, je sais pas, je suis pas trop fan. Ok, autocollant, porte-bonheur, plutôt sympa le porte-bonheur. Bon là il est en version noire et là en version dorée, j'espère qu'il est en version dorée. Ici, nous avons quoi? Une apparence qui est plutôt pas mal quand même. Hein. En vrai les apparences passent bien je trouve dans cette saison. J'ai pas encore dit une seule apparence était moche, donc ça c'est cool. Le Black Cell, hein, stylé. Hein. Alors ici, on a Walt Disney en emblème, parfait. Nous avons une carte de visite aussi. Un écran de chargement qui bouge mais très légèrement. Un écran d'armes. Ok, donc ça c'est un accessoire d'armes. Hein, pour voir l'heure au cas où. pour vous dire, oh, il est bientôt minuit, il faut aller dormir. Hein. Ici, attendez, on va commencer par l'arme normale. Non, ça va, franchement, ça va. Là, c'est des camouflages qui vaut le coup, quoi. Donc là, il y en a deux bons camouflages en or, comme ça. Noir-or, très très beau. En plus, il y a un putain de logo sur le chargeur. C'est assez stylé, sympathique. Et ici, et c'est pour l'arme, l'attaque siège. Okay. Et là, c'est le Black Cell, mais il n'y a rien qui change. Sauf que le logo, il est sur. À la place d'être sur le chargeur, il est sur le manche. Enfin, sur le truc au-dessus, quoi. Mais il n'y a pas de camouflage animé. Ah, si, si, il est un peu animé, mais très légèrement, on le voit très légèrement entre le canon et le chargeur. On voit que ça bouge un petit peu. Bah, très léger, hein, c'est subtil. Alors, carte de visite, ok. XP. Ça, c'est pas mal, ouais. En vrai, ça va, j'aime bien, ça claque. Blanc-rouge, ça va bien ensemble, je trouve. J'aurais pu faire mon logo en blanc et rouge en fait. Le camion, ouais, ça passe. J'aime bien. Avec les grands yeux là. Faites attention, je vous observe. De gauche à droite. Vous foncez dessus. Vous écrasez. Ok. Alors, ça, c'est une apparence. Ok. Ouais, très basique. Hein. Alors là, très basique. Et franchement, bah. Déjà, son jeans, c'est un slim. Je suis pas très fan des slims. Par contre, on voit qu'il a des putains de baloches, mon gars. Il a des putain de jambes, frère. Laisse tomber. Il fait du foot, lui, quoi. Mais sinon, non, franchement, j'aime pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais trop banal. Le casque un peu mauve comme ça. Non, franchement, ça vaut pas le coup, celui-là. Et y a pas d'apparence Black Cell, d'accord. Alors, emblème. Ok, ça va. Carte de visite, ça va. Écran de chargement. Ils vont m'éblouir avec. Ils vont où? Au paradis, là, ou quoi? Où ils sortent du paradis? Enfin, bref. Plan d'armes. Ouais, ça va, vite fait. Ouais, ça va, vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. C'est vite dit, 200 points, un code point.
Écran de chargement, incursion. Pas ouf. Emblème pas ouf. Ah, une belle petite tête de mort. Ah, porte-bonheur. Franchement, celui-là, il est stylé. Oh, je valide. Incroyable. Franchement, c'est le meilleur truc du pass. MDR. Le jet ski. Ah, stylé, un peu à la street comme ça. Un peu tagué et tout. Ouais, ça va, c'est pas mal. Il y a quand même quelque chose qui... Il y a pas mal de choses qui sont plutôt cool. Hein. Pas se mentir. Regardez-moi cette arme, elle est quand même jolie. On va pas se mentir, elle est jolie. Wesh, elle peut pas mettre plus fort la télé, ma femme. Ok, merci. Non, franchement, il est plutôt joli. J'aime bien. Ici, nous avons un plan d'armes animées. Black Cell, bien entendu. Il est beau, hein, comme d'hab. Un emblème. Ah, celui-là, il est stylé, l'emblème. Animé comme ça, c'est cool. Moi, j'aime bien tout ce qui est animé, en vrai. Je pense que tout le monde, en fait. Hein. Plan d'armes assez stylé aussi. En vert et noir. En vert et noir. Apparence de véhicule. Ouais, je valide aussi. Tête de mort. Son brun, comme ça. Ouais, c'est cool. Ensuite, apparence Black Cell. Hein. C'est une Black Cell. Hein. C'est une apparence Black Cell qui est classe. Ouais, ouais, il est très très classe. Et l'apparence normale. Oulala, comme il... Oulala, il est moche. Il est très très moche. Le brun comme ça, c'est vraiment moche. Enfin, moi, personnellement, je n'aime pas du tout. À la limite, il y aurait des petites taches de brun, enfin de brun foncé. Enfin, là, c'est brun clair. Non, franchement, il est moche. Et en plus, c'est le palier 20. Non, mais tu déconnes, là. Ah non, c'est bon, il est là, le palier 20. Enfin, le palier max. Code point, récompense d'achèvement. Ah, celui-là, il est pas mal. L'autocollant, il est plutôt cool. On valide. Elle a un petit emblème animé, stylé. Pour la saison 4, très très bel emblème. J'avoue. Merde, hop. Alors ici, nous avons un plan d'armes. Oh, non, non, non. Ils m'ont entendu ou quoi? C'est quoi ce délire? Ils nous ont enfin donné un camouflage animé dans le pass de combat. C'est incroyable. Vous savez que votre pass de combat, il coûte 10 balles, les mecs, quand même. Hein. 10 balles, on peut au moins avoir un camouflage animé. Et enfin, on l'a. Waouh, waouh. Merci. En plus, il est stylé. C'est noir et vert. C'est parfait. Enfin, camouflage. Franchement, depuis la saison 1, je crois qu'on n'a eu aucun camouflage animé. Je crois qu'ils ont entendu le mécontentement des fans, hein, je crois. Enfin, parfois, ils ne les écoutent pas, donc bon. Non, mais franchement, je suis content, regarde. Ouais, l'animation, elle est pas fou, mais c'est quand même stylé. On est dans une nouvelle ère. En espérant que ça continue comme ça. Donc là, c'est le même, hein, sauf que les couleurs sont plus stylées, le camouflage est plus stylé parce que c'est du Black Cell. Ici, c'est l'apparence normale. Normale. Donc quand vous avez terminé le pass de combat, vous débloquerez cette apparence-là. Qui, je trouve, est plutôt pas mal, mais... Je sais pas trop. Hein. Regardez un peu son pantalon. Si ça aurait été animé, ça aurait fait un peu comme Venom, là. Vous voyez, ça aurait été un peu... Enfin, voilà, quoi. Un truc bizarre, quoi. Mais là, on dirait vraiment que c'est un pantalon brillant, comme ça. Ouais, ça va. Après, il est stylé. Il est quand même stylé, mais... Je pense pas que je l'utiliserai. Et par contre, en Black Cell, ouais, je le trouve pas ouf. Hein. En fait, c'est le pantalon. La tenue, elle me choque, en fait. Le brillant comme ça, je sais pas, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Après, sinon, la tenue, elle est classe. Hein. Si vous enlevez le pantalon, le gilet pare-balles, le masque... Et attends, en normal, ça donne quoi? Ouais, le gilet pare-balles, le masque et tout, le petit emblème sur l'épaule. Ouais, ça va, il est classe. C'est juste le brillant du pantalon qui est pas ouf, hein, je trouve. Et ça, c'est les récompenses bonus du Black Cell. Donc, 100 points code, 1100 points code. Voilà, hein, si vous achetez le Black Cell. Que vous allez débloquer instantanément, je crois. Oh là là, mais... Quoi? Ils ont un parachute, carrément? Et ils ont une traînée de fumée? Mais attends, mais... C'est trop stylé! Waouh. Et regardez, le parachute, il change de couleur. Il devient blanc, noir... Gris. Ah, il est incroyable. Franchement, c'est stylé. 30 balles, quoi. Et là, c'est quoi ça? Une exécution. Opérateur. Ouais, ça a l'air d'être une... Oh, mais... Mais est-ce qu'on a la cape avec? Non, je crois pas, hein. Je sais pas, mais franchement, c'est stylé. La cape qui bouge, là, comme ça, qui change de... ce qui est animé. Alors, un plan d'arme. La vase neve. Ah, c'est sympa.
Ah, c'est sympa parce que quand vous bougez, vous changez. Regardez là, on voit l'animation comme ça. Si je vais à gauche, elle change. Si je vais à droite, elle change. Ouais, c'est stylé, c'est stylé. Et là, le dernier truc que vous allez débloquer, si vous achetez le Black Cell et que vous terminez le pass de combat. Donc, si je remarque bien, le casque est directement animé, il ne change pas. Juste quand vous bougez, ça change. Son torse aussi bouge. Enfin, est animé et elle dégage une aura. Une aura incroyable. C'est la diablesse de la saison 4 de Call of Duty, là. Incroyable. Franchement, elle est stylée. J'aime vraiment bien en plus les skins femmes. Voilà, ça donne envie, ça donne envie. On va regarder un peu la carte, là, parce que j'aimerais bien voir où est-ce qu'elles sont les armes. Donc, on commence ici, je crois. Non, on ne commence pas ici. Ah, on commence en haut à gauche, pour une fois. D'habitude, on commence toujours le bas. Donc, on commence en haut à gauche. Si on veut débloquer la nouvelle arme, il faut aller dans le D4. Donc, directement, vous descendez. Et ensuite, bah, vous allez directement à droite pour débloquer la deuxième arme. Hein, comme ça. Donc, voilà. Enfin, bref, je ne sais pas ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas à le dire. Moi, ça va. Je trouve que il est plutôt pas mal. Hein. On a un camouflage animé. On a des skins qui sont plutôt cool. Il y a plusieurs choses qui sont assez chouettes dans le pass de combat. Allez, je lui donne. On va me donner une note sur 20. N'hésitez pas à donner votre note sur 20 dans l'espace des commentaires. Moi, je dirais, allez, un bon petit 16, voire un petit 17 pour bien les motiver à continuer dans ce délire. Donc, ça fait quoi? Ça fait un 8 sur 10, quoi. Ça va, tu vois. Ça va. Un petit 17, c'est bien. Un petit 17, c'est bien. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace!